Plus de 30 000 véhicules par jour circuleront désormais sur cette section de la RD30. Une avancée attendue dans ce secteur encombré, l'accès à la RN12 se veut plus facile et plus fluide. On coupe comme ça le flux de circulation de ceux qui empruntent cette route départementale 30, qui, je rappelle, vient de Poissy pour aller vers Élancourt, donc franchir ou donner accès à la Nationale 12. Vous pouvez maintenant avoir un trafic séparé entre ce que l'on appelle le trafic de transit et le trafic qui est plutôt plaisirois. La RD30, élargie à deux fois deux voies, passe sous le giratoire des Gâtines. La circulation s'effectuera sur une file dans chaque sens jusqu'à l'achèvement des travaux sur l'ensemble du tracé. Une mise en service prévue pour la fin de l'année. Si tout va bien pour Noël 2017, on aura terminé les gros ouvrages et la circulation pourra être donnée aux véhicules à moteur. Pourquoi je fais ce distinguo ? Parce que arrivent deux autres ensembles qui sont des passerelles pour la circulation douce parce que vous avez une voie verte. Une voie verte et deux passerelles piétons et cycles qui permettront le franchissement de la N12 pour rejoindre Élancourt. Fin des travaux prévus pour 2018.